Pierre, moi, je suis malade aujourd'hui, docteur. Il a même parlé de la main, donc je me suis dit, bon, elle est un peu tirée par les cheveux, certes, mais quand même. Hélène Gâteau, tu voulais nous parler des lamas, c'est oui, bien ça. Oui, alors, je vais vous emmener pour cela au cœur du Vaucluse, niché dans les collines du Paty. Nous allons partir à la découverte de la ferme expérimentale du Barou. Alors, elle s'appelle ferme expérimentale parce que dans les années 80, eh bien, ça a été la première ferme à utiliser une démarche agro-environnementale qui utilise des animaux pour faire de l'éco-pâturage. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a bien un moment, une personne qui a initié ce programme. Et bien, nous sommes allés à la rencontre de Marie, et c'est justement avec son mari, en 1984, qu'elle a mis au point cette méthode en utilisant des lamas. Nous sommes au cœur du Vaucluse, au beau milieu des collines du Paty. Ici se trouve une magnifique ferme provençale, lovée dans un écrin de verdure. La pluie fine qui s'est mise à tomber recouvre la végétation luxuriante qui dévoile à présent ses parfums les plus subtils. Bim, bim, allez, bim, allez, venez, bim. Au loin, bim, résonne la voix de Marie, la propriétaire des lieux qui essaie de sortir ses animaux de leur étable. Allez, venez, bim. Il s'agit de lamas. Allez, se dépêche, allez, venez. Faut que je me sauve parce que ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Et oui, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas au cœur de la pampa amérindienne, mais bien en terre provençale. Il est 8 heures, Marie essaie de convaincre son troupeau de 21 lamas de sortir dehors malgré l'averse, et ce n'est pas une mince affaire. Les lamas n'aiment pas trop la pluie, c'est d'ici du moins. S'il pleut trop, ils se mettent carrément sous les arbres, ils se couchent et ils attendent. Alors c'est vrai que parfois j'ai un petit peu de difficulté à les faire bouger, mais en insistant, on y arrive. Marie connaît ses lamas par cœur et pour cause, elle les a tous vus naître et grandir. Et même si ce sont des animaux indépendants, notre éleveuse entretient avec eux un lien unique. Bonjour ma colombe. Oui, je te laisse faire, mais j'espère que tu vas me laisser partir après. Hein. Il nous apporte toujours quelque chose. Il y a toujours plein de petits mystères autour de ces animaux. Ils sont indépendants, mais ils aiment bien quand même avoir la présence. Tant qu'on les laisse tranquilles, on ne cherche pas à les caresser, à les toucher, on peut être au milieu d'eux sans problème. Fondée en 1984 par son mari Pierre-André, cette ferme du Barou est la première ferme d'élevage de lamas à but utilitaire. L'idée de ce précurseur était simple, utiliser des camélidés pour entretenir ces terres de façon économique et contrôler le développement des végétaux propices aux incendies. C'était un grand amoureux de la nature, de l'environnement, des animaux. Le lama lui paraissait bien dans cet environnement, étant suffisamment haut pour débroussailler à une certaine hauteur, jusqu'à 2 mètres, ce qui est la hauteur réglementaire quand même, hein, c'est pas rien. Et les lamas débroussailleurs présentent plein d'autres avantages qui leur permettent d'entretenir parfaitement les 33 hectares de forêts, garrigues et terres en friche dont dispose la ferme. Ils ne s'attaquent pas aux écorces des arbres. Ils n'ont pas de sabots, donc ils n'abîment pas le sol en se déplaçant. Ils ont aussi la lèvre supérieure fendue. Cela leur permet de mieux prendre les choses à manger dans le sol. Et ils n'arrachent pas non plus, ils coupent et tout ça. Ce sont des points très très positifs pour la nature, l'environnement, etc. Il est 11h. Marie profite d'une éclaircie pour nous dévoiler un exemple concret du travail de ces lamas dans la forêt. D'un côté, une parcelle où on a laissé libre cours à la nature. De l'autre, un espace entretenu par son troupeau. Ce sont de véritables pare-feux. Au niveau du sol, il n'y a presque plus rien. Ça peut paraître un peu trop, mais de toute façon, la réglementation, elle est là. Hein. Il vaut mieux sacrifier quelques végétations, quelques arbres et préserver l'ensemble d'une forêt plutôt que de ne rien faire et que tout brûle. Au printemps, les lamas sont tondus et tout est récupéré et stocké. C'est dans cet atelier que Marie transforme cette matière première en laine. Dans la pénombre d'une lumière tamisée, seul le bruit du rouet vient rythmer l'ambiance sereine qui règne ici. On peut être ailleurs, bien ailleurs, penser à plein de belles choses et éventuellement évacuer les choses qui ne vont pas. Voilà, donc ça détend énormément et ça fait beaucoup de bien. Chaque lama apporte à Marie 1 kg de laine par an. Une fois cette laine filée à la main, notre éleveuse peut confectionner des coussins, des vêtements ou des tapisseries sur son métier de haute lisse. La laine de lama, qui sur un même animal peut être de plusieurs couleurs, présente en effet de nombreuses qualités.
La laine de lama est douce, soyeuse, légère, agréable à porter. Si je veux autre chose que les couleurs naturelles du lama, je peux utiliser des couleurs. Je vais plus vers la teinture végétale. Marie est concentrée sur son affaire, mais la journée se poursuit. Dehors, les lamas profitent maintenant pleinement des rayons du soleil. Certains jouent, d'autres se reposent ou continuent de brouter tranquillement. Il est 16 heures. Marie, elle, ne chôme pas. Avant de rentrer son troupeau, elle nettoie et cure toutes les tables. Les lamas sont décidément pleins de ressources. Le fumier, elle le récupère et l'apporte dans son jardin potager à l'arrière de sa ferme pour amender ses terres. Le crottin de lama est un très 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 bon engrais, moi je dis même excellent. Regardez là mes belles salades, mes beaux choux, les beaux radis, les beaux fenouils. C'est vraiment excellent. En effet, grâce à ce fumier, les légumes de Marie sont magnifiques. C'est sûr, les lamas participent pleinement à toute l'économie de la ferme. Après s'être occupée de son jardin potager, Marie doit rentrer son troupeau au bercail avant la tombée de la nuit. Les lamas reconnaissent sa voix. C'est alors une bousculade joyeuse pour retourner à l'étable. Bim ! Allez, 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 allez ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bim ! Hey, hop ! Allez ! Une fois leur ration de foin quotidienne servie, pour les lamas, la journée est terminée. Voilà. Prête au dodo. Lorsque Marie contemple des hauteurs ces collines du Paty, un sentiment de fierté l'envahit. Celui que sa ferme de lama participe pleinement à l'économie et à la préservation de la nature de tout ce paysage exceptionnel. Un très très beau sujet hein, qui nous montre vraiment le passionnant, voilà, le passionnant avec l'intérêt d'utiliser des lamas. On l'a vu pour l'éco-pâturage, pour faire de la laine, pour amender ses terres, ensuite son potager. Elle a des bonnes journées, hein, Marie. Ah, oui, elle a des bonnes journées bien remplies. Hein, mais on sent qu'elle aime ça, qu'elle le fait avec passion. Et donc cette l'éco-pâturage hein, aujourd'hui, vraiment, c'est devenu légion. On en voit partout. On utilise aussi parfois des chèvres. Alors l'idée, quand on est ici dans le sud de la France, regardez les images, c'est d'utiliser bien évidemment des chèvres du Rove. La race typique de la région, l'originaire du village du Rove, juste au-dessus de Marseille. Et donc, aujourd'hui, finalement, quand on fait de l'éco-pâturage, on utilise, c'est un peu comme le principe des circuits courts, finalement. On va utiliser des animaux locaux, des races locales, pour entretenir les terres. Ce sont des races, généralement, qui sont plus rustiques, plus résistantes aux maladies, plus adaptées au climat. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est raisonné et qui permet d'entretenir le paysage, de lutter contre les incendies. Ça fait office de pare-feu. Municipalités, éleveurs et pompiers, eh bien, travaillent main dans la main pour permettre de valoriser justement l'éco-pâturage. Et le fumier fait des fruits, des légumes d'excellence, on vient de le voir. Exactement, des bons légumes bio. Tout se récupère. Tout se récupère. Vive les animaux. Merci Hélène. Alors qu'on voit cette belle image sur Vive les animaux de notre réalisateur Laurent Dôme.